Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. On se retrouve et on se re-retrouve pour la troisième fois aujourd'hui pour ceux et celles qui ont suivi les autres vidéos pour l'avant-dernier haul action. Et là, c'est spécial miam miam et beauté. Oui, donc nous allons commencer par le miam miam, hein, tant qu'à faire. Alors, on va tout prendre. Tout d'abord, moi je connaissais l'ancienne version avec le sachet vert. Pardon. C'était des longs sticks de bretzel avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Là, ils ont sorti, c'est nouveau. C'est un Mister Nut. Je vous montre, j'en ai pris 3 paquets parce que moi j'adore ça. Et en fait, c'est pareil, c'est des bretzels avec du beurre de cacahuète, mais c'est en mini. Donc, je vous montre d'abord le paquet. Voilà. Le paquet est ouvert, je vous montre. Ça ressemble à ça, bretzel. À l'intérieur, nous avons du beurre de cacahuète. Voilà. Donc, bien évidemment, et les prix seront... Pardon, je déteste parler la bouche pleine. Les prix seront affichés au fur et à mesure de la vidéo. Les prix seront affichés à l'unité, pardon. Hein, je ne vais pas vous faire x3, machin, mais voilà. Ensuite, j'en avais pris 3 également. Ma doudou est passée par là pour le goûter. Je lui ai dit de ne pas s'enfiler le paquet parce que, bon, il y en a 6, donc c'est déjà énorme. Et je voulais que les paquets lui durent longtemps. Et bien, elle s'est enfilée le paquet quand même. Donc, il s'agit des Wheaties. Donc, c'est les rounds, donc les ronds. Hein. Donc, c'est au chocolat et au beurre de cacahuète à l'intérieur. J'en avais pris 3 paquets. Il y en a déjà un qui est parti. Donc, il en reste 2. Ensuite, je l'ai enfin trouvé. Donc, il s'agit de tuiles au chocolat au lait avec du caramel au beurre salé. Des éclats de caramel au beurre salé dessus. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, je goûterai ça avec mon petit café du goûter de 4 heures et je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà, parce que là, le goûter de 4 heures étant passé, c'est un petit peu l'heure de l'apéro, là, si vous voulez, donc on va éviter. Mais, écoutez, j'ai eu des bons retours là-dessus, donc je me suis dit pourquoi ne pas tester. Nous verrons bien. Ensuite, en miam miam, qu'y a-t-il encore? Ah, j'ai aussi pris, c'est comme des Wheaties pour ma fille. C'est Hershey's, la marque. C'est rond également. C'est Cookie and Cream. Il y en a 6 également. Je ne l'ai pas montré, cela, je n'avais pas vu. Je m'en souvenais même plus, heureusement, parce que... Voilà. Donc là, j'en ai pris qu'un paquet pour qu'elle essaye, parce que vu que moi, je ne mange pas ce genre de choses, ben, si elle n'aime pas, ce sera un petit peu ballot d'en acheter plusieurs et de tout gâcher. Ensuite, est-ce qu'il y a encore à manger? Non, ensuite nous avons à boire. Donc j'ai voulu tester, c'est de la marque Taylor. C'est sans alcool bien évidemment. J'en ai pris que 2 pour goûter, un pour ma fille, un pour moi-même. Ce sont les mojitos, tout simplement. Il paraît qu'ils sont délicieux, donc coûteux, nous verrons bien. Puis si on aime, on en reprendra prochainement. Voilà, à voir. Je ne connais pas du tout, en plus, enfin, voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de sucre là-dedans. Donc, c'est 100% zéro alcool, hein, évidemment, donc, la fête est plus folle. Là. Voilà, voilà. Ensuite, pardon. Alors, ensuite, nous en avons fini avec la nourriture. Vous voyez, je n'ai pas pris grand-chose, j'étais raisonnable. Je ne trouvais plus dans mes autres vidéos les piles Varta en AAA. Les voici donc. Voilà, j'en avais besoin. Je me prends toujours un paquet de AA et un paquet de AAA. Généralement, ça me dure 1 an et demi, 2 ans, tout ça. Donc, ça va, c'est raisonnable. voilà, c'est tout. Ensuite, on va passer à la beauté. Donc, ah ben non, c'est pas de la beauté, c'est du... Enfin, du miam miam. C'est plus pour le sapin de Noël, mais on les mangera après, évidemment. Je me suis pris les candy canes, les... Le sucre d'orge en bâton là, je sais plus. Voilà, il y en a 12 à l'intérieur. Donc nous les mettons sur le sapin, mais après on les dévore. Voilà. Donc c'est bon, il n'y a plus de nourriture là? Non.
Eh ben super. Alors ensuite, je me suis pris pour nettoyer mes lunettes, des lingettes spéciales lunettes. J'ai voulu les tester. Celles-ci, elles sont pas mal. Hein. J'en ai utilisé une là juste avant de tourner. Elles sont bien. Et le prix défie toute concurrence, évidemment. Ensuite, j'ai voulu tester leurs nouvelles lingettes. Ce sont des lingettes démaquillantes. Moi, j'ai les vertes, mais là, je ne les ai pas trouvées. Elles sont un peu plus petites, il me semble. Mais bon, voilà. Donc, je vais voir de suite avec vous. Il y en a 7 à l'intérieur, une par jour, c'est parfait. Ah oui, elles sont beaucoup plus petites. Mais bon, ça démaquille très bien quand même. Elles sont douces. Oh là là. Voilà. Donc, très bien. Je suis très contente. J'en avais... Il y en a une que mon chien m'avait mangée et à chaque fois que j'y vais en ce moment, je ne les trouve plus. Donc, voilà. Ensuite, j'ai voulu tester également celle-ci. Pour le maquillage, donc je vais ouvrir. Eh ben non, je ne peux pas ouvrir. Comment ça, je ne peux pas ouvrir? Comment ça, tu ne peux pas ouvrir, Carole? Mais si. Ah ben, il n'y a pas d'ouverture facile là-dessus? Non. Si. En plus, il est refermable, le sachet. Mais je ne garde pas les sachets comme ça. Oula, mais elles sont épaisses. Ah ouais! Elles sont bien des deux côtés. Voilà, elles sont d'une douceur. Donc, il y a une bleu ciel. Oui, ma Beverly, je pense à toi. Et une grise. Voilà. Et elles sont super épaisses. Ouh là là, gage de bonne qualité, ça, attention. Ensuite, je me suis également pris toujours des pads comme ça. Comment ils appellent ça? Ouais, ils disent qu'il faut juste mettre de l'eau, mais c'est ce que je fais à chaque fois. Avec un joli petit sachet comme ça. Alors, voyons à quoi elle ressemble. Je n'en avais jamais acheté parce que dans mon ancienne action, il n'y en avait pas à chaque fois. Et avec les longues, donc je prenais les longues. Ah oui, dis donc. Ça pour les yeux ou quand on est comme moi, bah, pas maquillée en journée, un petit coup là comme ça. Et puis, bon, moi, ça enlève vraiment à la pollution, les petites peaux mortes, tout ça. Donc voilà, et nous en avons combien à l'intérieur? 10. Donc, je refais mon stock hein, petit à petit. Ouais, ouais. Ensuite, on va passer très vite hein, parce qu'on s'en cogne un petit peu. C'est le fil dentaire avec le bâtonnet là. Hein, voilà. Tout simplement. Ensuite, ah bah j'en avais pris un deuxième paquet. Ensuite, je me suis repris mes pâtes au concombre. Par contre, les miens n'y étaient plus. La boîte était verte toute simple. Par contre, là, pour le même prix, j'ai trouvé d'autres pâtes au concombre. Il y a également 4 paires à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je les testerai et je vous en dirai des nouvelles. Et j'en ai pris 2, évidemment. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tester. Donc, c'est de la gamme... je sais pas. Il n'y a pas de gamme, donc c'est de la gamme, je sais pas. C'est un body scrub, donc c'est un gommage pour le corps. J'ai pris Hammam Oriental Body Scrub. Je vous montre, il est très joli. Oh, j'adore, moi, les trucs comme ça. C'est trop bon. Est-ce qu'ils sont bons? Je ne l'ai même pas senti. Il y avait un monde. Honnêtement, j'ai pas compris. Parce que moi, là, je suis en vacances au mois d'octobre. J'ai pas compris le monde. J'ai fait Action EBM blindé. Et lundi après-midi, c'est bizarre. Donc, vous avez une grosse opercule en plastique, évidemment. Bon, je vais sentir à travers parce que là, je sens la catastrophe. Ah ouais, ils sont bons. Oh là là. Ah, ça, l'hiver. Mais moi, je... Ah, moi, ça, j'adore. Je vais me faire mon petit kiff, là. Me frotter comme ça. Oh là là. Et pour terminer, pas des moindres, là, j'ai passé une commande blissime. Oui, je vous ai pas dit. Oh, Carole. J'ai passé une commande blissime et je me suis enfin pris. J'ai enfin cédé à la tentation. Je me suis pris le shampoing Olaplex. Voilà. C'est dit. Et là, j'ai trouvé le Plex. Le masque. Il paraît que c'est un super dupe du masque Olaplex. Donc, je verrai par rapport au prix de toute manière. Voilà. Là, c'est juste que j'allais pas prendre le shampoing plus le masque Olaplex d'un coup. Surtout que j'ai commandé 3 calendriers de l'Avent. Donc, que je tournerai bientôt. C'est-à-dire le L'Oréal, le Sephora
Alors, le L'Oréal, le Sephora Multimarque et le Marion de Multimarque. Plus là, le Max & More. Je n'en prendrai pas d'autres. Je pense que c'est déjà bien. J'ai qu'un visage, j'ai qu'un corps. Faut pas déconner. Les produits qui ne me plairont pas, je les mettrai sur mon Vinted. Qui est désactivé? On m'a laissé des messages. C'est normal. Parce que, pardon, vu que là, je suis en Airbnb, j'ai préféré attendre pour remettre mon imprimante, tout ça. Enfin, bon, bref. Et avoir tous mes cartons. Donc, voilà. Ça évite aux personnes d'acheter et puis de dire, mais comment ça se fait que je ne suis pas livrée? Ben, c'est normal, en fait. Donc, je me suis mise en vacances. Donc, c'est le Plex Care 3. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Air Mask, oui, bah ça on sait. Il restaure la fibre capillaire. Bon, écoute, voilà. Hop, il y a un truc qui s'est mis sur mon écran. Voilà, j'avais plus de batterie. Moi, c'est génial. Qu'est-ce qu'il sentit donc? Alors, quand on le sent, il sent divinement bon. Mais alors après. En fait, il sent le watermelon, enfin melon pastèque, melon même, pastèque, ouais. Suis pas fan de l'odeur. C'est trop sucré pour moi, mais ouais, il sent bon quand on le sent. Et puis, 3 secondes après, l'odeur est entêtante. Mais bon, c'est pas grave, c'est sur les cheveux, ça se rince. Après, moi, je mets mes huiles de toute façon, donc voilà. Donc, eh bien, nous en avons terminé avec les achats Action. Nous en sommes à la fin de la troisième vidéo et je vais de ce pas. Vous tournez l'unboxing de mon tout premier calendrier de l'Avent de ma chaîne. C'est cool. Je suis contente. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. On like, on commente et surtout on s'abonne, s'il vous plaît. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Et ma foi, je vais vous tourner la vidéo après. Je ne sais plus quoi dire. Ça va bien se passer. J'ai perdu mes mots. La fatigue et la fatigue. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bye, merci.